Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. J'ai hâte de te battre au plateau d'attraction. Alors, on peut commencer? Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Comment je vais rattraper mon retard? Action! Tu vas devoir faire mieux que ça. Je l'avais pas vu venir. Action! C'était incroyable! Eh bien, c'est la fin. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Ne dis pas ça, Samantha. T'es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi, tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. C'est toi? Justement, je te cherchais. Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère, William. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau, et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversée. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Peut-on briser le mauvais sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolar et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi.
Alors, tu veux bien nous aider ? Je peux aller remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke pour toi. Oh, merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide, ma femme. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur. Revelio. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire ? Bon. Les pieds ne se sont pas transformés en betteraves. C'est un bon début. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Bombarda. Thank you.
Fringo. Revelio. Lumos. Un sarcophage, avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Revelio. Revelio. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été... J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves ! Oh, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand-chose. Un troll ? Oh, c'est affreux ! Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Ça, on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. J'ai jamais appris à nager. Partante pour un petit plongeon ? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau ? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau. C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment ? Ah, oh, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager,
mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Oh, merci. Merci, merci, merci ! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leur cadeau. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre. Cet endroit est incroyable. Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nerida ? Lumos. Confringo. Lumos. Bien. Tu vas devoir me suivre. Je dois trouver les autres. Confringo. Lumos. Nerida sera contente. Lumos. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin ? C'est merveilleux ! Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère ! Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore, merci beaucoup ! Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. Je préférerais y aller seul. Un bal ? Revelio ! En fait, je pense qu'il devrait nous obliger à y aller seul. Les choses seraient... Je peux t'aider ? Je pense que oui. Au fait, je m'appelle Sophronia, et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est au moins en cinquième année. Tu connais Herodiana Byrne ? Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Repulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard. Brièvement. C'est intéressant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle ? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas plus connue. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Herodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de troisième année. Et tu es en troisième année, donc... Tu as l'esprit vif à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Herodiana et me la montrer ?
Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Herodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes répulso qui cachent des éléments de la tenue d'Herodiana. D'accord. Je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer le célèbre ensemble d'Herodiana. J'en ferai peut-être une copie pour... Je devrais peut-être partir à la recherche du hall secret dont Sophronia m'a parlé. Ça semble plutôt intéressant. Crescendo. Action. Flipendo. Repulso. Ça doit être l'entrée du hall d'Herodiana. Le hall d'Herodiana. Je devrais y entrer et trouver ces énigmes. On va voir si Herodiana Burn était aussi incroyable que l'affirme Sophronia. Levioso! Action! Je vois, l'interrupteur remet tout à zéro. C'est bon à savoir. Action. Revelio. Action. Revelio. Ce coffre, c'était pas très compliqué. Je me demande ce qui m'attend ensuite. Action. Revelio. Action. Revelio. Action. Action.
J'ai bientôt terminé. Action. Réveillez-vous.
Action. C'est la dernière. Finalement, voilà sûrement la dernière pièce de l'ensemble d'Hérodiana. C'est tout à fait remarquable. Je comprends mieux pourquoi Sophronia voulait voir ça.